poids et de taille pour les armes. Il devra bien aussi décrire tous les six strict pour être efficace. Et c'est parti, charge Martel au centre au niveau de l'anglais. Martel ne sait pas faire, elle rentre dans le chou anglais. Un combattant français est envoyé au sol. On ne sait pas quoi, j'ai bien fait attention. Charge de l'acier anglais dans le dos de Martel 2. Alors, il y a des duels de chaque côté devant deux personnes, un côté combattant. Un combattant français est en retrait, il attend de trouver une opportunité pour changer. Non, il y a pas son adversaire. L'acier anglais n'hésite pas, et Matrac à grand tour. Ouh wow. Et on voit le sol, pas un coup derrière la jambe, ah. Le combattant français a dû bien y sentir. Un autre combattant français envoyé au sol. Et vous savez que toute faute commise lors d'un combat est susceptible d'être sanctionnée par un carton jaune. Et au bout d'un deuxième carton jaune, c'est carton rouge, donc éliminé pour le reste du tour. Fin du round, 4 à 0. On applaudit bien fort, mesdames et messieurs, les Martel, qu'on vient de se passer de faire. Les avances, l'acier français a été désarmé. Il n'y a pas de passeur d'armes pour lui passer une arme. Le combattant de Martel ne peut pas se réarmer. Arcy, le passeur intervient. Et le réarme, attention à toi, passeur, il va devoir blessé. Charge de la série, il est le coup violent sur le casque. Il va devoir que j'ai eu l'impact de vice. Le combattant Martel est envoyé au sol. Charge de la série, dans le dos du français. Alors j'attends les deux français. Tiens, le bon malgré tout. Mais ne se laisse pas faire. On sent tout de même pas une nette différence. Oh, the groin. Here. Alors les grands anglais mettent la pression sur le combattant français, plus que deux. On regarde, stop, stop the fight. Dernier combattant français envoyé au sol. 5-0. Yeah. Battre du round, quand le résultat final 5 à 0 pour battre l'Elta.